2009, Google started supporting the Palace of Versailles with its digital strategy. And in 2012, they worked closely together in order to open La Galerie de l'Histoire du Château, a new location dedicated to the evolution of the palace buildings from the 17th century onwards. As part of the actual launch of the location, they were willing to communicate about their partnership through a unique and innovative digital experience, relying on their respective special features. Finding a way to associate in one single web project Versailles' exceptional heritage and Google's cutting-edge technology. When Versailles meets Google, history meets technology. Past meets future. The result of this exceptional partnership is Chaos to Perfection, a unique interactive stroll through the Palace of Versailles, using the latest web technologies shared by Google Chrome. This is the first interactive project, which combines the future of the internet and historical heritage. Je trouve que le château de Versailles, l'agence Les 84 et Google ont collaboré ensemble pour développer une expérimentation Google Chrome qui s'appelle Chaos to Perfection. Et Chaos to Perfection, c'est une sorte de voyage onirique qui est assez formidable puisqu'il se passe à l'intérieur du navigateur Google Chrome et il s'appuie sur une technologie WebGL qui permet le contrôle de la caméra au sein du clip qui se joue à l'intérieur du navigateur de l'utilisateur. L'ambition aussi de ce projet, c'est de mêler les œuvres d'art du château avec les nouvelles technologies. Il a fallu partir de la matière première qu'est le château de Versailles et que sont les jardins aussi du château, scanner certains éléments afin de les reconstituer en 3D. Une technologie de pointe de scan 3D nous a permis de récupérer les nuages de points. Donc c'est fait via une petite machine qui tourne autour des statues et qui va récupérer chaque relief de la statue. On a dû simplifier pour pouvoir les intégrer après dans de la 3D temps réel par une technique qui s'appelle la retopologie. Donc cette technique, en fait, elle consiste à simplifier les maillages et par la texture à garder un aspect proche de la réalité. Pour les textures, on a été directement au château où on a été prendre toute une série de photos de tous les détails. Donc des tissus, des parquets, des meubles, des ornements. Et en fait, ces photos ont été réutilisées avec les scans 3D pour leur rajouter cet effet de profondeur et ensuite appliquées dans les modélisations de l'expérience. Je dois dire qu'à Versailles, nous sommes une maison d'exigence et nous avons voulu aller au plus loin dans la réalisation. Entre autres, j'ai le souvenir de la modélisation des lustres qui était un problème et que nous avons voulu qu'il soit vraiment à l'identique pour la Galerie des Glaces, pour la Chambre du Roi, ainsi que les girandoles de la Chambre du Roi. Pour l'extérieur, la façade du château, le grand canal, le bosquet de la colonnade sont vraiment très très aboutis et proches de la réalité. En fait, cette expérience permet de transposer ce qu'est Versailles aujourd'hui sur le digital. Et c'est très utile pour la conservation car c'est un marquage à une date donnée des restaurations, de l'état des œuvres et de l'état de l'ameublement du château. Chaos to Perfection se découpe en deux grandes parties. La première partie qui est une balade onirique, interactive et poétique. Et puis dans un second temps, on va pouvoir revenir pièce par pièce, étape par étape, puis offrir également des points de vue qu'on n'aurait pas pu avoir dans la réalité, c'est-à-dire des angles de vue complètement inédits de la Galerie des Glaces ou pouvoir s'approcher au plus près du lit du roi, de la chambre du roi, des ornements, et voir comme ça beaucoup plus de détails que pendant une simple visite on n'aurait pas pu découvrir. Écrire un film interactif, ça reprend bien sûr des procédés d'écriture existants dans le film traditionnel. Toute une phase de conception, de storyboard, d'écriture et d'illustration.
et puis également des nouveaux procédés d'écriture. Là, par exemple, les internautes peuvent eux-mêmes faire bouger les caméras, effectuer des panoramiques, des travelling. Donc on a toute une phase de conception qui va être une phase d'écriture différente et en tout cas novatrice par rapport à l'écriture d'un film traditionnel. On a voulu vraiment donner un grain particulier, un grain assez aérien, teinté également, et puis avoir beaucoup de quelque chose de volant, beaucoup de particules, beaucoup d'éléments comme ça qui viennent structurer l'image, structurer le propos, et qui vont nous permettre de découvrir Versailles sous un angle différent, avec des points de vue différents, et puis une image vraiment particulière qui va également faire sens avec l'accompagnement musical que propose Phoenix sur l'expérience. Born and raised in Versailles, Phoenix agreed to associate with Chaos to Perfection in the form of a soundtrack specifically remastered as a 6 minutes length track. Love Like a Sunset, which perfectly illustrates the poetry of the experience. Within 3 months, 400,000 web users have seen Chaos to Perfection without any media support. Twice as many nationalities visited the website in comparison with the palace actual visitor numbers. People from 162 different countries discovered it through Chaos to Perfection. The average time spent on the experience is 5 minutes. The experience was shared on multiple blogs and websites, each article initiating a massively positive feedback from the users. Discover more on chaostoperfection.com.